Bonjour, bonjour à tous et à tous. Voilà. J'espère que vous allez bien. On dit qu'enfin, M. Conan a gagné le procès. Voilà. On dit que M. Conan Bertrand, l'un des présidents ou bien ses fondateurs du PCN, a récupéré sa chose, son parti politique. Ah oui. Voilà, vous voyez, petit frère, dans la vie là, on ne tourne pas autour du diable. Ah oui. Ne tourne jamais autour du diable. Ah non, non, on ne tourne pas autour du diable. Que Cabré comprenne que non. Nous, on est en face un monstre. On ne joue pas avec lui. Cabré pense qu'il va venir manigancer, tourner là un matin, on va lui dire que non, tu deviens président du Cameroun. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 non. Il y a les règles de la vie. Voilà Ousmane Sonko. Malgré qu'il est en prison, on croyait d'ailleurs qu'on l'a neutralisé. Mais oui. L'autre croyait qu'il a neutralisé Ousmane Sonko, Macky Sall. Mais le voilà qui est en train d'aller lentement et sûrement. Même en prison. Dans la vie, il faut mouiller le maillot. Cabra ne veut pas lui mouiller le maillot. Il ne veut pas aller en prison. Mon ami, laisse ça. Nous sommes en dictature. La majorité de ceux qui ont pris le pouvoir dans les dictatures sont ceux qui ont fait la prison. Ça ne chauffe même pas. Donc calmez-vous là. Pour ceux qui vont venir là dire que non, pourquoi vous êtes haineux, tout et tout. Mais mon ami, on fait passer une nouvelle, une information sur une chaîne de télévision Equinox. Vous criez. Attendez, mais il a perdu le procès. C'est tout à fait normal. Il a perdu le procès. Voilà. C'est un parti qu'il avait loué. C'est clair. Un peu comme un joueur qu'un club achète pour un temps. Hein, tu n'as pas la légitimité, ce n'est pas ta part. Ça ne t'appartient pas. Voilà, ça ne t'appartient pas. C'est parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la justice où les locataires finissent souvent par devenir les propriétaires de la maison. Depuis quand un locataire finit par devenir un propriétaire d'une maison? Détrompez-vous les gars, détrompez-vous. Mouillez le maillot. Quand tu mouilles le maillot, on finit par te donner ce que tu désires. Soit on te tue, soit on te donne. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Il y a des conventions dans la vie que même avant de donner à quelqu'un. Tu dis que non, celui-ci-là, non, non, malgré tout, il était quand même mon ami. Il était quand même celui-là qui m'a dévancé. Il était quand même celui-là qui m'a bousculé. Mais oui, je vous ai toujours dit, dans un combat, la théorie, là, ça vient après. On pense éliminer un adversaire. C'est souvent même les erreurs. À nos jours d'aujourd'hui, il n'est plus facile d'éliminer un adversaire politique. Tu es là. Non, ce n'est plus facile. Ce n'est plus facile à nos jours d'aujourd'hui. Mais Cabral ne veut pas mouiller le maillot. Imaginez une seule fois que Cabral était un gars qui avait bataillé. Il s'est mis au service du peuple en vrai. Non, dis donc, c'est que les jeunes se lèvent. Vous allez lui donner ça. Mais tu es là, tu me fausses comme un père, comme un homme qui est fatigué. Tu tournes. Même quand Maurice Kamto, qui est plus vieux que toi, a la force que toi, il n'abandonne pas, il ne laisse pas. Il y a des choses que on est obligé de laisser Kamto faire. Mais oui, il y a des choses. Tu es obligé. Et maintenant, pour les yeux du monde entier, pour la communauté internationale, tu es obligé d'accepter certaines actions de Maurice Kamto. Mais oui, tu vas faire comment? C'est pour montrer que non, dans mon pays, au moins, il y a un semblant de démocratie. Vous ne voulez pas comprendre ça? Même le diable parfois là, parfois dort, il te laisse un espace, tu t'imposes. Cabra, c'est ce que tu devais faire. Si Félix Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui au Congo, mais c'est grâce au combat de son feu père. Désolé. Si les Laurent Gbagbo ont pu devenir président de la Côte d'Ivoire, il n'a jamais été programmé à devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est le destin de Dieu. Mais c'est parce qu'il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Regardez les dictateurs comme les Houphouët Boigny. Des personnes féroces. Vous refusez d'aller en exil. Non, j'aime mon pays. Non, ça c'est la vie d'un politicien. Surtout face à une dictature. Prépare-toi à mourir. Prépare-toi à aller en exil. Comme les Succès Massara. Succès Massara, c'est mon frère. Il n'est pas ton frère. Tu n'as pas le charisme, Cabral. Tu n'as pas le charisme d'avoir un ami, un frère comme un succès Massara. Désolé, tu n'as pas son ami. Tu n'as pas le charisme. Tu veux tourner là, on ne sait pas ce que tu veux. Ah, tu aspires à être président et tu te comportes comme ça là. Face à une dictature là.
Attendez, Paul Biya n'est plus dangereux. Paul Biya n'est plus dangereux. Ce sont ces petits-là qui sont dangereux. La Tangandi, tout ça, les Jacques Famandongo. Voilà les dangereux. Les Ngong. Voilà les dangereux. Voilà ceux qui sont dangereux. Regardez-moi celui-là. Donc tu croyais que la vie c'est comme ça là. Regardez comment on te tire à tous les niveaux. Tu es l'enfant chouchouté du système. Tu es l'opposant le plus chouchouté du système. Oui, tu as cru qu'on t'aimait beaucoup. Non, c'est parce qu'on te tenait, on te contrôle. Ouais, on te contrôle. Mais oui, ils te contrôlent. Ce que tu penses là, ils en ont pensé à ça depuis. Réfléchis bien, pourquoi depuis on t'a pas donné un parti politique? Pourquoi tu n'as pas une autorisation d'avoir ton parti politique? On donne même les partis. On a légalisé des partis aux personnes même que c'est pour prendre pour aller se cacher quelque part avec. C'est pour tirer, jeter dans le tiroir. Ils ont les partis politiques. Pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas ton parti politique? On nous dit, soyez toujours au service du peuple. Soyez toujours vrai dans la vie. La vie, c'est au départ. La vie, c'est au départ. Toujours au départ. Ah oui. Quand on a confiance en toi, non, le jour qu'on va te déranger, quand tu hausses le ton, tout le monde sort. Regardez aujourd'hui, qu'il y a un ministre là, il pense qu'il peut avoir le droit de vie, de mort sur les gens. Mais tu veux quoi? Tu as partisé avec eux hier. Ils connaissent qui tu es. Ils t'ont déjà dépouillé. Ils t'ont sucé physiquement et spirituellement. Ils savent qu'aujourd'hui, ta parole ne fait plus foi. Les gens sont déçus de toi, Cabral. Les gens sont déçus de toi. Désolé. Alors, désolé. Alors, c'est comme ça la vie, hein? C'est comme ça. Alors que tu avais tout le temps devant toi de combat dans la vie là. Il y a des choses que je mène aujourd'hui. Je ne réclame rien. Parce que je sais que j'ai tout l'avenir devant moi. Attendez. J'ai tout l'avenir devant moi. Donc, j'ai pas besoin d'être maire en aujourd'hui. J'ai pas besoin d'être un député. Ça ne me sert à rien. Que c'est que de devenir député fantoche. Comme ce que je vois là. Les députés qui n'ont aucun pouvoir. Qui n'ont rien à dire. Députés comme toi-même là. Hein, qui n'a que l'humilité de non. Ça sert à quoi? D'aller dans une assemblée nationale que on n'a aucun pouvoir. Ça ne sert à rien. C'est juste pour animer. C'est juste pour dire qu'un jour j'étais député. Vous avez quel pouvoir? Vous n'avez aucun pouvoir. Vous partez seulement changer votre condition de vie en réalité. C'est clair. Désolé. Voilà, si c'était ça, serait nous-mêmes là. On est engagé. On pouvait choisir un parti en Banga là-bas. On devient député. Mais oui. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Si c'était ça, on pourrait être même conseiller. Mais pourquoi pas même? Si c'était ça. Mais c'est parce qu'on sait que il ne sert à rien d'être un maire qui n'a aucun pouvoir. Voilà, il ne sert à rien que tu es un maire, tu viens dans un pays comme l'Indonésie, Singapour, on te donne un conteneur. Hein? Tu signes des contrats. Mais on ne peut pas te laisser implémenter. On ne peut pas te laisser réaliser le projet de ta ville parce que ce sont eux qui ont le port. Ce sont eux qui ont tous les pouvoirs. Ce sont eux qui ont le droit de signature. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Je connais des grands frères qui ont amené les choses au Cameroun pour faire les dons. Pour faire les dons. Ils n'ont jamais pu dédouaner. Ils ont laissé. On a abandonné son port, ça a pourri. Ils ont le droit de signature. Tu vas faire quoi? Donc ça ne sert à rien d'aller s'engager dans un combat que tu es perdant d'avance. C'est clair. Tu es perdant. Comme pour ceux-là qui disaient que mais pourquoi le président Maurice Kamto a renoncé. Non, non, il fallait au moins montrer aux yeux du monde que non. Voilà ceux qui m'entourent. Voilà pourquoi ils sont fâchés. C'est bien. Voilà. Les présidentielles, au moins, tu risques, tu es sûr que c'est la tête de l'État. Et c'est pour aller devenir maire, député, pour changer vos conditions de vie. Regardez comment on te manque le respect. Alors, regardez comment on te manque le respect. Partout, c'est les locations des partis. Partout, c'est les locations des partis. On t'humilie. Voilà, tu n'as pas, c'est-à-dire on ne trace pas en réalité ta vie politique. Comparativement au succès Massara. Parce que c'est les gars qui ont bien commencé. Voilà, c'est les gars qui ont bien commencé dans la vie là. Quand on veut s'engager en politique, c'est la vie des gens. Non, c'est la vie des gens. C'est l'avenir d'un peuple. On ne blague pas avec. Non, 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 non. À un moment, ben, tu étais que quoi, oh? Tu es devenu c'est PDG ou bien c'est quoi d'une société, oh? Ou bien c'est de quoi, oh? On ne t'a jamais vu aller là-bas. Que le poste sera ben, c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Mais maintenant là, on ne comprend plus dans quel sens tu es. Donc embrouiller les gens, on sent que non. Il y a les dessous sur table, les dessous des tables, tout ça. L'argent passe tout et tout. Ta vie a changé. Je ne suis pas d'accord avec le comportement de M. Conan Bertin. Mais regardez vous-même, regardez le père là. Il est pauvre.
Il est pauvre. Alors c'est quand il hausse le ton que vous dites que vous allez donner 5 millions pour refaire sa maison. N'importe quoi. N'importe quoi, arrêtez ça. Alors, vous êtes. C'est la malhonnêteté à tous les niveaux. Faites beaucoup attention, les gars. Petit frère, fais attention. Sois toujours vrai dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour obtenir ce que tu désires. Voilà. Sois toujours du bon côté. Et attends le temps de Dieu. Pas toi. Dieu va récompenser tes efforts. Voilà les Ousmane Sonko. Voilà les Ousmane Sonko. On les a jugés. On les a condamnés. On a tout parlé. Mon frère, il sera président du Sénégal. Rien ne peut l'arriver. Parce qu'il a l'onction du peuple. Il a l'onction du peuple. Tu ne peux rien. Quand le peuple est avec toi, le peuple est avec toi. Quand tu as la volonté du peuple, bagarre, on va te mettre en prison. On va tirer sur toi. On va t'accuser de tous les noms d'oiseaux. On va te coller toutes les procédures. C'est que ton destin, c'est que tu seras président. On n'est pas président en dictature face à des hommes comme les Macky Sall, comme les Paul Biya comme ça du jour au lendemain. Non, il faut mouiller le maillot. Et il va même te donner en sachant que oui, voici un gars qui a combattu. Mais oui, faites attention. Hein. Faites attention. Il y a des choses en politique que vous ne pouvez pas imaginer. Mais oui. Mais oui. Il y a des réalités que nous, on voit seulement. Avant que c'est quelqu'un te donne le pouvoir parfois, là, il sent que non, celui-ci est tenace. Mais attendez, c'est comme la grâce de Dieu, non? Il y a des choses quand Dieu veut te remettre. Il y a des charges, les responsabilités que quand Dieu veut te donner. Mais mon ami, il ne te fait pas cadeau. Il te fait ça soit dur. Mais oui. Mais oui, il te rend les tâches difficiles. Mais Cabral, là, il tourne. Il tourne sur lui-même. Hein? Il tourne. Il n'est jamais là. Il se passe aussi trop important. Il croit que, regardez, ça montre que tu n'es rien. Regardez comment on te ridiculise. Tant que Maurice Kamto est là, tu peux tenter de dire que tu retires son parti. Tu as fait comment? Vous pouvez tout faire là. Vous ne pouvez pas. Tu as fait comment? Tu as passé par où pour dire que à partir d'aujourd'hui, le MS n'existe plus. Même pour les yeux du monde entier. Parce qu'au moins, c'est ça qui donne au moins une petite légitimité à la République du Cameroun et à Paul Biya lui-même, qui montre que non, au moins il a un opposant historique. Mais toi, est-ce qu'on peut te citer? On ne peut pas. On ne peut pas parce que tu as refusé. Et alors que tu étais bien parti, tu étais mieux placé, tu avais pris le cœur de tout le monde. Mais quand Equinox passait à la télé, quand à l'époque il était, c'est quoi alors? Consultant à Equinox, quand Cabral passait, mais j'étais content d'écouter Cabral. J'étais très content d'écouter Cabral. Il dit que non, c'est un gars. Mais après ça, ce sont tes jeunes frères qui ont commencé à arrêter les gens qui marchent, tout ça. Voilà la récompense de ça. Le diable, tu utilises, après il te jette. Il te suce. Comme une orange. Après, il te jette. Tu n'as aucun pouvoir. C'est fini. Tu vas faire quoi là? Vous allez que crier. Vous n'allez rien faire. Voilà. On vous donne des petits avantages. Vous croyez intouchable. Un soi-disant député. On accuse tes petits, tes proches, les membres de ton parti. Hein? Ils sont accusés d'un crime. Non, toi, ça ne te dérange pas. Tu te lèves, roi. Mais c'est clair. Ça veut dire que voilà ta part. Voilà ce qui te mérite. C'est clair. Voilà, tu es devenu député pour défendre, I don't know, whatever. Voilà. Mais c'est clair. Un député qui se lève pour aller dans un tribunal. On appelle ça le trafic d'influence que tu as fait là. Ça ne mérite pas. Tu peux rester à distance. Voilà. Ça veut dire que tu aimes tellement le pouvoir. Toute votre bande là. On a tout vu avec vous. Les jeunes députés qui sont là. L'autre, c'est pour faire que les produits, acheter les chocolats, mettre son nom, tout ça. Hein? Des conneries qui n'ont pas de sens. L'autre, c'est pour aller défendre son gars qui a prêté l'argent, ouais, c'est 20 millions, qui ne veut pas rembourser, tout ça. Donc, vous êtes devenu député pour changer vos conditions de vie. À Choukangongoli, vous n'avez encore rien vu. On ne dîne pas avec le diable. Voilà. On a dit que vous avez dit que vous voulez pour vous, non? Voilà ça. Et ça agit ou moins quelques mois, là. Bientôt, c'est les élections. Vous allez faire comment? Le cœur commence à battre. Maintenant, il faut maintenant chercher un autre parti. On vous a fermé partout. Et même seulement la situation de Robert Conan. Personne ne doit vous donner son parti encore. En réalité, personne. Personne. On vous a utilisé pour effacer l'UPC. Mais oui. L'UPC. Dis donc. DCV. Cameroun, hein? Non. Moi, je vous dis que, avec ce que j'ai vu. La détermination du président Maurice Kamto. Il a compris que l'âge n'est qu'un chiffre. Le père est courageux plus qu'un jeune.
Ah oui, il est courageux plus qu'un jeune. Ah oui. Le gars Gongata, il sort, il continue. Mais dis donc, alors, vous croyez que c'est le fruit du hasard de devenir président? Quand tu combats à un moment de la vie, là, quand chacun prend conscience, on dit que oui, voici au moins un gars, il a mouillé le maillot. Mais il y a les pays où si tu n'es pas un ancien combattant, si tu n'as même versé ton sang, si tu n'as même coulé la sueur, mon gars, tu ne seras jamais président. Il y a des pays comme ça, non? Mais oui, il y a des pays comme ça, là. Les pays comme l'Algérie, là, si ton grand-père n'a pas combattu, si toi-même tu n'as pas combattu, non, laisse ça, mon frère, laisse. Tu parles. Alors, nous sommes face à une dictature féroce qui ne blague pas, qui envoie en prison. Mais tu es là, depuis que tu es là, jamais même passé même 2 jours en cellule. Hein? Il a même passé même 2 jours en cellule. On va te dire que tu es politicien. Ah, disons, laissez ça, dis donc. Laissez ça. Laissez ça, dis donc. C'est ça. L'autre dit que il faut faire attention quand un parti politique relie les deux capitales. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez fait quoi? Vous ne pouvez. C'est l'union des forces qui donne la légitimité à un homme de pouvoir bouger les collines, les montagnes. On sait que on a enlevé Cabral dans le cœur des Camerounais. Voilà. Il fallait à un certain moment de la vie retirer certaines personnes derrière le président Maurice Kamtou. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On donne une petite force. On accompagne Cabral. Mais oui, c'est comme ça la vie, tu ne sais pas ça. Et quand on titule le moment venu, on te jette. La vie, c'est ça. On te jette. Tu n'as plus de force. Partagez le live. Partagez le live. Partage. N'écoute pas ce moment-là. Ne soyez pas là. Si chacun de vous, là, nous sommes ces 300. Si chacun de vous partage, 300 partage. Vous allez voir qu'on sera nombreux. C'est un moyen aussi de sensibiliser les petits frères qui veulent tout prendre le coup chemin. Voir les effets du coup chemin. Je vous dis que tant que ce régime est au pouvoir, Cabral n'aura jamais un parti politique. Ah oui, puisqu'actuellement, là, on sait qu'il a le macabo. C'est celui qui n'obéit plus. Ah oui, on sent qu'il a là le macabo. Et on sent qu'aujourd'hui, là, il a un peu les moyens pour pouvoir financer un parti politique. Mais oui, on sent qu'il a là les moyens. Donc, regardons voir. Ouais, c'est comme ça qu'on éteint la carrière de quelqu'un. Hein. Regardons voir. Cabral n'a pas de parti actuellement là. Donc ils ont fait le communiqué en disant qu'on ne parle plus du PCRN encore. Donc maintenant, le roi lui-même. Donc actuellement là, il n'est pas différent de mon jeune ami ici là, de Bonamou Sadi, le maire Bilon, le 5e adjoint là. Il n'est pas différent de celui-là qui avait compris depuis et qui a quitté du parti. Donc vous voyez la vie. Donc maintenant on donne raison à Bilon. Non, oui, on donne raison à Bilon. Quand il est quitté du PCN, on a crié que wow, le traître si là, wow. Mais attendez, voilà aussi maintenant Cabral lui-même qui n'a plus de parti. Cabral lui-même n'a plus de parti. Cabral n'a plus de parti lui-même. Donc, il est député sans parti. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie, non? Voyez la vie, petit. Donc, c'est pour dire que quoi? Si avec ton frère, vous gagnez l'argent. S'il veut te tuer, fais-lui cadeau. Fais-lui cadeau. Il y a des choses qui. Fais cadeau à ton frère. Que non, ok, c'est bon, il n'y a pas un problème. Ouais, ça va finir par le brûler lui-même. Mais oui, voilà. Donc quand tu sens le danger dans ta vie, mon ami, recule-toi vite. Sors, fuis avec ta tête. Ne dis pas, ne fais pas comme les autres. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là. Je ne suis pas. Mon ami. Dans la mafia là, tu dis que tu n'es pas d'accord et tu ne fuis pas. Commence à te chercher, fuis vite. Voilà Bilon qui avait lui fui. Il pourrait rester avant finir avec lui. Lors d'un congrès, lors d'une réunion, on pourrait finir avec lui. Mais oui, le gars a fui. Voilà aussi. Lui, il est maire. Il n'a pas eu de parti. Et peut-être il s'est même d'avoir fabriqué un parti quelque part. Peut-être il est même d'avoir parti en dessous d'un autre parti. Maintenant, c'est Cabral. Cabral, d'abord, premièrement, il sera traité d'un malhonnête. Parce que quand tu vois les conditions de vie de M. Robert Conan, il dit not take care for that, bro. Il n'a même plus en charge ce papa-là. Il n'a que changé ses conditions de vie. Même comme la politique n'est pas un fonds de commerce. Mais oui. Mais en Afrique, on connaît les réalités. Mais oui. Sinon, pourquoi toi-même tu as plus le poids? Pourquoi toi-même tu vis bien? Yeah, il n'a pas take care le pater. C'est que le pater au départ avait faim. Vous ne lui rendez pas visite. Il vit quelque part loin, c'est à Kayele. Loin. Dans une maison en terre battue. Ah, c'est pas la méchanceté, les gars. Ah, quand même. Ah, non. Quand on vous dit que la politique n'est pas différente de la fémania, les gens. Non, bah, c'est la.
La plus grande criminalité qui est légale, c'est la politique. Regardez comment on est en train de s'interimper. C'est-à-dire qu'on prend sa chose. On chope les doigts dedans. On se positionne. On a le pouvoir. Mais lui ne mange pas. Quand on dit que la politique, quand on dit aux jeunes, aux hommes d'affaires, aux voyageurs, intéressez-vous à la politique, il y a quoi dedans? C'est pas différent de l'escroquerie. C'est l'escroquerie, ça. C'est-à-dire que tu vois comment les gens qui sont venus chez toi, ils se sont courbés. Ils sont quittés loin à des milliers de kilomètres. Ils sont venus te taper l'exé. Ils te tapent l'exé. Tu prends ta chose et tu les donnes. Eux, ils vont, ils changent les conditions de vie. Mais toi, tu souffres. Ils ont les grosses 4x4. Regardez Cabral hier. Quand Cabral, il y a une photo là. Tu vois, Cabral est mince là-bas comme ça là. Il est mince. Après les élections, il n'avait pas encore vraiment l'équilibre. Il est parti voir le vieux Conan. On a qu'à le vieux. Comme papa, non, donne-moi ça, tout et tout. Chance que le vieux là était trop sage. Sinon, ah, les choses devaient changer. Chance qu'il a gardé toujours peut-être une même mise quelque part dans le document. Mais chance. Sinon, ah, c'était fini. Beaucoup, faites attention, les gars. Quand on vous dit que faites la politique, non, dis non, j'ai ma peur de la politique. Non, mon ami, la politique, chacun peut faire la politique. Voilà. Il ne faut pas seulement avoir les antécédents dans ton pays. Tu es rentré à ton argent. Quand je vois les grands frères, j'ai souvent dit ça à l'un de mes grands là. Quand je vous dis, je vois les grands là. Ils sont là avec les paquets d'argent. Mais attendez, tu vois, on ne peut pas t'arrêter. Bah, ton argent vient de dehors. Mais pourquoi vous refusez de faire la politique? Pourquoi qui ne va pas? Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Ton argent sort du dehors. Pourquoi vous ne faites pas la politique, eh? C'est même plus risqué d'aller dans les boîtes de nuit dépenser 3 millions, 4 millions. On vous agresse quand vous rentrez chez vous. Mais c'est normal qu'on t'agresse. Tu as l'argent, les autres n'ont rien. Alors que si tu fais la politique, mon gars, les gens vont te dire que non, mon ami, la politique, tu n'as pas besoin de parler. Je connais des députés qui ne parlent pas. Le président de l'Assemblée nationale, il parle là-bas. Quand il parle, tu comprends. Il est là depuis les années. Mais arrêtez ça, dis donc. Même les Pablo Escobar fut député en Colombie, dans le pays. Pablo Escobar était député. Je ne comprends pas pourquoi vous esquivez la politique. C'est un frère qui voyage. Je ne comprends pas. Tu vois un gars rentre avec 2 millions de dollars. Il part dans son village. On le gifle. On porte, on met en cellule. Regardez. Ils sont nombreux là. Les gars rentrent en samba. Regardez comment JPS. Regardez comment on a tué JPS. Un gars comme JPS, promoteur des artistes à son temps. Il a produit les Koffi Olomide, les Passi. Il a produit. Regardez comment il est mort. Regardez comment il est mort. Les petits Nyama l'ont agressé. Alors que le politicien et les voyageurs ont les mêmes démarches. Le politicien, on le garde chez lui. On le garde. Le politicien paie les artistes pour qu'on appelle son nom, pour faire sa promotion. Et par la suite, il devient député, il devient maire. Ses conditions de vie changent. On parle du système camerounais. L'humilité, c'est quelque chose. Mais regardez comment chaque jour, on vous arrête. Il y a l'autre, il m'a parlé de grand, s'il n'a pas de diamant. Regardez, chaque jour, on l'arrête. On l'arrête, on le laisse. On l'arrête, on le laisse. Soit c'est moi-même conseiller municipal, grand frère. Soit au moins une fonction. Tu occupes au moins une fonction. Au moins, tu es utile. Hein? Au moins, tu es utile. Au moins, on sait qu'on peut arrêter monsieur le conseiller municipal. Mais quand on vient d'arrêter, on sait qu'on vient arrêter pas de diamant. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? J'ai dit ça à mon grand frère Yoro Joss une fois. Et que mes grands frères, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu as un carrefour à Bounamou Sadi. Mais deviens même adjoint au maire, non? Mais entre même dans le RDPC, non? Entre même dans le RDPC. Entre même dans le RDPC. Ça ne te coûte rien. Tu crois que ceux qui sont maires là te dépassent en quoi? Vous venez avec votre argent, mais donnez. Maintenant, vous parlez quoi? Vous croyez que c'est vous les premiers? Les Babadi Sissoko fut des maires. Il fut des députés chez eux au Mali. Babadi Sissoko. Regardez comment on manque le respect. Alors que vous êtes les donateurs, vous pouvez donner. Et votre argent là, ça ne souffle de rien. Même si on applique l'article 66 au Cameroun, personne ne peut vous demander où est la provenance de votre argent. Comment? C'est fait pour ceux qui travaillent, qui gèrent la fortune publique. Mais oui, c'est fait pour ça. Quand on dit déclaration de bien, mais tu déclares ton bien que tu as. Tu es de la diaspora. Quand même ils vont fouiller là où tu es sorti à ton argent. Ah non, c'est terrible. Hein?
Ah, vous laissez les gens comme ça, les gens viennent vous m'amener tout et tout. Chaque jour, je suis apprends que oh, on a arrêté le grand là encore. On l'a arrêté, on l'a laissé. On l'a arrêté, on l'a laissé. N'importe qui peut t'arrêter, c'est normal. Hein? Quand on t'arrête, on te laisse, on t'arrête, on te laisse. Ça veut dire qu'un matin, on va te tirer une balle quelque part. On va te tirer une balle quelque part. Eh, c'est normal. Eh, c'est normal. Quand on t'arrête, on te laisse, ça veut dire que c'est parce que on ne veut pas. C'est parce que peut-être on ne veut pas atteindre notre niveau. Protégez-vous quand même, dis donc. C'est ça qui énerve sur certains gars de la diaspora. On te manque le respect. Alors, on te manque le respect. Dis donc, vous énervez même à la fin. On va même faire comment? On va même wise les Camerounais comment même. Quand tu veux parler, l'autre te dit que non, petit frère, je ne connais pas ma parler. Qui t'a dit que le député parle? Mon ami, on veut voir l'action. La politique, c'est les actions. Toi, tu as ton âme, tu décides que bon, je vais faire. Il y a un frère là, il y a un grand qui était ici là. Il est maire là-bas quelque part avec Bamenda. Le gars est parti. Il a donné 10 forages avec les panneaux solaires ici là, tout et tout. Pendant les élections, le gars s'est engagé. Mais oui, c'est comme ça, il s'est engagé. Il est devenu maire. Il est devenu maire. Il y a un gars qui était ici parmi nous. Et vous, l'autre pays, pas te manger. Après, là, être utile pour votre pays, les gars. Dégagez avec ça. Hein? Appelez à être utile. Alors, arrêtez de suer les voyageurs, même. Vous suez les voyageurs. Tu vois un beau garçon, élégant, costaud, bien. Et tu vois, on envoie les policiers chaque jour venir l'arrêter. Venir l'arrêter. Hein? Et vous aussi, si vous devez l'argent aux gens, il faut payer, rembourser vos dettes, dis donc. Un homme qui paye ses dettes s'enrichit. Hein? Vous aussi. Alors, vous aussi. Quand c'est entre vous là, bon, faites attention. Faites attention. Payez les dettes. Faut pas abuser ton frère. Quand on veut parler, les gens vont rester là. Oh, la politique, c'est quoi? La politique, c'est une bonne chose. Voilà. Et c'est ton droit d'être Camerounais et faire la politique pour ton pays, c'est clair. Voilà. Et je crois, les gars, que s'ils sont engagés en politique, ils vont seulement que donner. Parce qu'ils en ont pour dépenser. Ils en ont. Mais ils s'intéressent aux boîtes de nuit. Tu comprends que quelqu'un peut donner la bière, le vin, de 10 millions en boîte. 20 millions en boîte. Quelqu'un peut en boîte, il dépense 8 millions. Il y a un là qui m'a invité une fois. Non. Attends, mais je ne comprends pas. Il a dit que je ne comprends pas. Il y a un qui m'a invité une fois. Wallahi billahi. Le gars a dépensé 7 500 000. Attends, mais dis donc quand même. Non, j'ai dit que, mais attendez. Mais, et tu m'as donné combien, vieux? Mais tu sais qu'on est en train de faire le forage, non? Je l'ai arrêté pour qu'il complète l'argent là. Hein? Et pour qu'il complète l'argent là. Je l'ai arrêté, il m'a donné 500 000. Banga, viens, on part, mais le gars a dépensé 7 millions. 7 millions, c'est un sang et poussière. Là, je l'ai arrêté que mon ami complète l'argent. Là. Le gars a encore donné un bâton 5. Et pour donner, c'est la bagarre. Mais tu peux pas jeter l'argent. Ça, c'est jeter. On boit les faux runas, les faux whisky. Les trucs qu'on tourne derrière la maison. Hein? Les faux whisky. Champion pour dépenser, mais pour les bonnes causes. Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Ah non. Ah, vous décevez les gens. Non, voilà les cabras qui font la politique. Vous connaissez quoi ça? La politique n'est pas différente du Shiba. Vous dites ça chaque jour. Moi, je vous dis, je vous encourage à faire de la politique. Voilà. Pas de diamant, il faut faire la politique. Voilà. Il faut faire la politique. Yoro Joss, il faut faire la politique. Je ne sais pas qu'est-ce qui va pas avec vous. L'Endonku, il faut faire la politique. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Vous êtes les gars que depuis l'enfance, on parlait de vous. Les artistes appelaient vos noms. C'est la même démarche que les politiciens font, non? C'est la même démarche des politiciens. C'est la même démarche. C'est les mêmes démarches. Les politiciens promettent, ils ne font rien. Mais les politiciens promettent chaque jour, ils ne font rien. Il n'y a aucune différence. Eux, c'est les malhonnêtes en vrai. Eux, ils sont là pour devenir quelqu'un sous le dos des Camerounais. Alors que vous, vous avez votre argent. Eux, ils abusent les Camerounais. Vous, si vous vous engagez, vous allez apporter aux Camerounais. Vous allez apporter. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et qu'on a l'un de mes grands, petit frère, non, l'argent est fini. L'argent est fini dans les fesses des femmes. Comprends qu'il a acheté la Range Rover à une femme. Dans tout ça, la maison en carabote, ça va être tombé. Beaucoup de voyageurs. Ah, la vie, ah, Seigneur. Ah, tu as l'argent, ta mère souffre. Ah, non, on a fuck up. Non, on a fuck up. Non, non, plus jamais. Non. Après, on m'a dit que le tobas, c'est non, c'est parce que c'est comme ça, c'est ton passé. La pauvreté n'est pas bien, petit. Quand tu es pauvre, c'est dangereux. Quand tu es pauvre,
Le jour que tu réussis, tu t'amuses, tu oublies ta famille. Hein. C'est les effets de la pauvreté. Non. Non. Faut pas faire ça, petit. Quand tu as l'argent, ta mère doit être ton garde du corps. Ta mère d'abord. Faut valoriser ses parents. Le temps à valoriser les parents des autres. Après, on te manque le respect. Ouf. Ça a commencé comment? Ça y fait à ce que parfois on commence à détester. On déteste même ta femme. Parce qu'elle occupe la place. Elle est arrivée hier, elle occupe dans la place qu'elle ne devait pas occuper. Tu connais une femme hier, c'est elle qui porte le sac. C'est elle qui... Pendant ça, tu vois que ta mère ne boude pas. À peine tu l'as connue un an. Elle commence à occuper la femme. Ta mère, mon ami, ta mère doit être à côté de toi. Ta mère doit être là. Mon ami, ce n'est pas tous les ventres qui accouchent un enfant qui a réussi, petit. Tu es malade. Il dit même que ce n'est pas tous les mères qui accouchent un enfant qui a réussi dans la vie. Voilà. Parfois même ta femme que tu as épousée là. C'est-à-dire que dans toutes les familles, il n'y a pas un enfant comme toi. Il n'y a pas un gars comme toi. Mais tu l'épouses, c'est elle que tu mets devant avec sa famille, tout et tout. Tu es, on est bête. On est trop bête. Là, ta mère derrière, elle est là. Non, ta mère d'abord, petit. Regardez les Kylian Mbappé. Regardez les Kylian Mbappé. Regardez même les stars là. Regardez le fonctionnement. Les Hakimi. Regardez bien comment ça se passe. La mère d'abord devant. Mais oui, c'est à un certain moment que tu vois. Hein, au fur et à mesure, on recule la main un peu. On recule la main un peu. Et là, c'est la volonté de la mère. C'est la mère qui dit que non, il faudra partir à ton fils. Tous les trophées, la majorité, les messies, tu vois la mère là. La mère est là. Après, demain, tu dis que ma mère n'aime pas ma femme. Elle doit t'aimer comment? Une fille qui vient hier prendre à la place. Elle est malade. Hein? Tout ça, les effets de la pauvreté. Le père n'était jamais là pour nous éduquer. Ah, Seigneur. Ah, non, je suis content parce que si je suis vivant, mes enfants grandissent. Non, je veux les inculquer les valeurs. Non. Même ma fille, je vais lui dire, fais attention. Voilà. Ne jubilons pas seulement l'acte de mariage. Il faut aussi jubiler. Il faut aussi conseiller la fille. Comment tu te comportes avec ta belle famille, avec ton beau-père, avec ta belle-mère. Oui, il faut bien regarder. Voilà. Il y a des gens que tu peux dire que je m'en fous. Mais ne blague pas avec les parents de ton mari. Voilà, c'est pas donné vieux. Oh, ouais. Il y a des gens ici dehors qui ont 10 enfants, les 10 ne sont rien. Samselem Vondo, 11 devant 11. C'est pas tous les mecs qui accouchent, mon frère. Pas le quoi là. C'est tous les mecs qui accouchent l'enfant qui a réussi. Tu blagues avec ta mère. C'est pas tout le monde. Hein. Ta mère n'est pas n'importe qui. Hein. Toi qui as réussi là. Voilà. Il y a des mecs qui accouchent les enfants. 10. Personne ne donne rien. Mais toi, te voilà, tu es allé loin, mon ami, c'est la grâce. Et la grâce la passe aussi par les parents. Voilà. Donc les gars, vous êtes là, vous blaguez avec votre vie. Là, vous achetez les maisons aux femmes. C'est bien d'acheter la maison aux femmes. Mais oui. D'acheter les grands Range Rover. Vous mettez les femmes en haut. Et demain, quelques mois après, l'argent est fini. L'argent est fini. On dit engagez-vous en politique, vous refusez. La politique, c'est une bonne chose. La politique, c'est une bonne chose. C'est s'engager pour son pays. C'est même l'amour pour son pays, non? À l'époque, je disais que le vote, c'est quoi? Non, le vote est important, mon frère. Le vote, c'est quelque chose. C'est un engagement. C'est bien. Oui, c'est bien. Alors? C'est bien. Voilà. Non, c'est bien pour Cabral Libi. C'est bien pour lui. C'est bien. Quand on vous dit qu'arrêtez de prendre le coup chemin. Non, il prend le coup chemin. On t'avait copté depuis, Cabral. On t'avait copté. Voilà. Tu n'as pas compris que non, on ne peut pas te lâcher. Le diable ne lâche jamais son adepte préféré. Non. Le diable ne le lâche jamais. Moi, tu veux être libre. Non, il ne veut pas être libre. On va tout te donner les parties. Et on sait qu'on tient celui-là qui t'a donné le parti. C'est comme ça. Voilà. Il y a toujours les compromis. Voilà. C'est-à-dire que Robert Conan, peut-être avec ses problèmes de salaire qu'on avait bloqué depuis là. Maintenant, on va dire que bon, on va te payer une petite partie. Ok? Laisse l'argent là. Laisse ce qu'il va vouloir faire avec toi là. Récupère le parti là. Lui-même, on le contrôle. Et on te contrôle aussi. Il y a les conventions, mon frère. Voilà. Donc, on va tout envoyer de partie en partie. On te donne pas. On te légalise pas un parti. C'est comme ça. On te dit que le vrai parti, c'est le peuple. Si Cabral était avec le peuple, non, c'est que le parti là va sortir. C'est que le parti là va sortir. Pas que c'est la bagarre, non. Les yeux du monde, les yeux des gens vont obliger à ce qu'on te donne un parti. Mais oui, c'est ça la vie. Mais comme tu as dit que, I want chop. Moi, j'ai faim. Non. Voilà. Le jeûne, c'est une préparation d'entrer au Kunga. Il faut parfois avoir faim pour les bonnes causes.
Oui, il faut toujours avoir faim. Voilà, c'est pourquoi quand je suis dehors, je maigris toujours. Parce que je me prive beaucoup de choses. Voilà. Le jeûne, c'est la préparation à l'élévation. Voilà, quand tu jeûnes, quand tu as faim là, pour les bonnes causes, en réalité, tu n'as pas faim. Tu te nourris spirituellement. Mais oui, bien sûr. Tu te nourris spirituellement. Mais si tu veux manger pour une mauvaise cause, tu seras rassasié. Mais tu vas finir dans la famine, dans l'abîme. On va te sucer spirituellement. Tu seras riche physiquement, mais pauvre spirituellement. Tu n'auras plus de pouvoir. Imaginez un jeune comme Cabral, s'il était du côté du peuple, c'est que le pouvoir qu'il a, c'est qu'il est comme le sorcier Massara. Regardez comment sorcier Massara discute corps à corps avec le fils d'un dictateur. Il discute les affaires du pays. Te voilà, à peine, tu as rencontré Paul Biya combien de fois? Vous pouvez causer même quoi? Même ces simples ministres parlent fort. Alors que sorcier Massara négocie avec Amat. Amat, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, on dit un gars, un sac de gars. Tu t'es mis trop bas. Le Cameroun, avec ce que le Cameroun traverse là, avec les problèmes du Cameroun, tu devais te positionner dans une position incontournable. Mais oui, tu devais être dans une position incontournable. Avec les problèmes de Boko Haram, avec les problèmes du Nozo. Cabral devait être quelqu'un d'incontournable. Mais ils t'ont bien eu. Ils t'ont bien eu. Regardez Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est égal à égal avec Macky Sall. Même en prison, le gars ne lâche pas. C'est son dien gars. Risquer grand. Risquer grand pour obtenir la grandeur. Quoi que la grandeur, c'est comme ça là. C'est de jongler. Tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite. Ah, c'est comme si non, c'est le parti d'opposition qui a gagné les élections. Tantôt non. On t'a bien exploité, gars. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Désolé. Faut être du bon côté. Voilà. Oui, mais il faut être du bon côté. Quand j'ai dit à mes frères de Mbanga Diaspora, qu'on crée Mbanga Diaspora, l'association Mbanga Diaspora, voilà, quand on a commencé nos activités, les gens ont dit que Mbanga, non, on m'a convoqué, c'est une personnalité. On passe par les enfants de Mbanga qui sont les élites. On passe par eux, on me rencontre, on dit bon, voilà ce qu'on veut que tu fasses, tout et tout. Il a dit jamais. On dit on va te subventionner, ne parle plus. Jamais. Est-ce que moi, je dis que j'ai un problème? C'est souvent aussi bien, avant de s'engager, il faut éviter d'avoir faim aussi parfois. La famille aussi détourne les gens. Ah oui. Mais il y a les gens que c'est leur habitude. Même quand ils sont rassasiés, ils veulent tout manger. Ah oui, oui, mais j'ai dit jamais. Comment je veux. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec vous? Tu vas me donner combien? Tu vas me donner quoi? Nous, on a brassé les millions hier. Nous, on a brassé les millions hier. C'est vrai. Parlons peu, parlons vrai. C'est quoi dans la vie? Bats-toi tout dans la vie. Voilà. Bats-toi quelque part dans la vie. Il y a des combats que pour t'engager vraiment, il faut être prêt. Non, c'est vrai. Parce que, regardez comment on malmène Cabral. Hein? Tout un député. Hein? On est incapable de lui légaliser un parti politique. Quelqu'un qui est dans l'atmosphère politique depuis plus de 10 ans déjà. Oui, Cabral est en politique depuis plus de 10 ans. Mais c'est ça le problème. Quand on dit que l'ancienneté n'a rien à y voir dans ce qu'on fait dans la vie, quoi, c'est quoi. Non, c'est être bien, du bon côté. Voilà. Quelqu'un peut venir là, yeah, il te gagne. Ah oui. Il peut venir là, yeah, il te gagne. C'est comme ça. Ah, les gars. Hey, l'association Mbanga Diaspora célèbre un an de plus. Hein, dans le. L'association de Mbanga Diaspora célèbre un an de plus, le 3 février. Donc, je recommande aux uns et aux autres de participer. Donc, voilà. On a le numéro Orange Money, on a le numéro MTN Money. Donc, tu es la bienvenue à participer. Merci à toi, à la sœur Dean. Oh. Elle a dit que je n'appelle pas son nom. Bah, il y a beaucoup de Dean. Il y a beaucoup de Dean. Donc voilà, donc il faut contribuer. Donc nous allons apporter de l'aide aux détenus. On va payer les amendes. Voilà. Il y a tous les amendes. Hein. Il y a des gens qui sont en prison, ils ne peuvent pas sortir pour 5 ans, pour 20 000, pour 40 000. Donc voilà, l'humour Orange Money. Donc, il faut soutenir l'initiative de Mbanga Diaspora.
Donc, comme chaque année, donc ça va faire 8 ans que nous existons. Voilà, ça va faire 8 ans que nous existons. Donc, voilà le numéro Orange Money qui est le 696-94-32-42. Il y a le MTN Money qui est le 683-40-97-55. Voilà. Et il y a aussi Western Union. Voilà, tu peux aussi faire un transfert, un envoi par Western Union. Donc, tu m'appelles à mon numéro plus 237-683-40-97-55. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, pour ceux qui veulent participer. Nous, on doit avoir au moins 2 millions. On est que. Et le 3 février, c'est bientôt. On n'est qu'à 300 000. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait qu'à 300 000? Est-ce que c'est normal que nous, on n'ait qu'à 300 000? Avec tout l'amour que vous avez pour moi. C'est comment? 300 000, là, ça va payer les amendes de combien de personnes? Nous, on doit payer l'amende, l'amende, hein, au moins de 100 détenus. Maintenant, il y a les dossiers qu'il faut, hein, qu'il faut déplacer d'ici d'ailleurs. Voilà, il y a des gens qui ont les multiples peines. Mais donc on doit les aider. Les multiples peines. Il y a ceux qui ont un problème peut-être d'avocat. Voilà, en fait, il y a ceux qui ont les multiples peines. Qu'est-ce qu'on fait? La première peine était à Douala. La deuxième peine, encore, on s'en va. La troisième peine. Maintenant, il faut qu'on on regroupe tout ça. Donc, tout ça, c'est des petites choses. Hein. Tu envoies 50 000, ça peut aider. 100 000, ça peut aider. 200 000, ça peut aider. 1 million, ça peut aider. On ne doit pas seulement partir comme ça à la prison, bras ballants. On doit aussi acheter quelques sacs de riz, comme d'habitude. Hein? Voilà. Voilà, il y aura le registre. Le registre va organiser, voilà. Comme d'habitude, le registre organise. On paye les amendes des détenus. Voilà. Au moins, tu commences ton année en solo. Voilà. Pose des grands gestes. Dieu va t'offrir la grandeur. La grandeur n'est pas le fruit du hasard. Il faut poser les grands gestes. Ne dis pas que à ceux-là même, c'est moi qui les envoie en prison. Voilà, il y a aussi les innocents en prison. Voilà, comme là, comme ça, là, je m'en vais acheter la nourriture africaine et puis je vais aller rendre visite à un Camerounais qui est en prison parce qu'il avait fait l'accident. Les effets de la boisson. Ah, les effets de la boisson. Voilà, il y a deux Camerounais, ils sont dans une prison hors de la ville de Jakarta. Voilà, ils avaient fait l'accident, ils ont cogné. Voilà. Donc, ils ont presque casser toute une maison. Voilà, donc je vais comme ça prendre la nourriture africaine. Je vais prendre. Vous voyez, les gens, la nourriture, c'est bien qu'ils choisissent la nourriture. Ah, les vrais pays, hein. Les bons pays sont bien. Tu vois, tu n'as pas un problème de nourriture. Non, il n'y a pas de problème de nourriture. Non. Donc, gars, l'argent, là, non, achète-moi la nourriture avec. Je n'ai pas beaucoup, moi, d'argent. Voilà, j'ai pas beaucoup d'argent. J'avais $50. Voilà, $50. Il dit, bon, les gars, je vous ai dit que je venais aujourd'hui. Ok, Mbanga, prends-nous deux plats, deux gros plats africains là. Donc voilà. Donc je vais prendre les deux gros plats africains là. 5 dollars. Non, pas 5 dollars, c'est 10 dollars. Donc le reste, 30 dollars, je les donne. C'est bon. Chacun doit créer sa bénédiction. Non, c'est comme ça. Ils avaient fait l'accident, ils ont imaginé la fortune, la nouvelle fortune là. Ils ont fait l'accident, ils ont cassé une maison. Allez trouver le dernier enfant sur le lit. Le pied s'est cassé. Chance que l'enfant n'est pas mort. Je te dis. Bon, je venais d'arriver, je devais aller en prison depuis leur en visite. Donc ils n'ont pas tué quelqu'un, c'est l'accident. Vous voyez les effets de la boisson. Dans le pays des gens. La boisson. Voilà. Les effets de la boisson dans le pays des gens. Donc c'est compliqué les gars. Il faut beaucoup faire attention. Donc notre soeur Natacha n'a pas fait la nourriture aujourd'hui. Donc je m'en vais dans le restaurant de notre frère nigérien. On a un frère nigérien là-bas. On a une soeur nigérienne. Voilà, elle a un restaurant. Elle peut pas le semou, le bankou. Ceux qui ont fait les pays arabes. Bankou. Le bankou. Avec la sauce mélangée, pistache, tout ce qui va avec gombo, avec beaucoup de viande dedans. Ah, la vie, les gars. Soyons tous les bons côtés, les gars. Vraiment, contribuer. On n'a qu'à 300 000. On n'est qu'à 300 000 seulement. Ce n'est pas normal. Hein? Et tout ça, ça veut dire que c'est du Gerardo qui a mis ça haut.
Voilà. Di Gerardo a mis ça haut. Voilà. Avec la sœur Vicky. Vicky, c'est ton prénom. Il ne faut pas déranger les gens. Quand on appelle pour mon nom. Non. Pas, tout le monde ne connaît pas. Moi, il faut pas me. Après, tu vas m'appeler, tu me menaces pour rien. Il faut arrêter ça, dis donc. Vous exagérez. Tu fais le don, on te dit merci. Par hasard, j'appelle le prénom. Tu m'appelles, tu me menaces. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Hein? Oh. Pourquoi vous aimez la sorcellerie comme ça, le Camerounais? Même pour vous dire merci, c'est le problème. Est-ce que tu es la seule qui s'appelle Vicky? Oh, non, non, non. Oui, bonne fête de Nouvel An. Bonne fête de Nouvel An. Bonne fête de Nouvel An. Je m'en vais au restaurant africain ici à côté. Le restaurant africain. Je suis déjà à côté. Pour ceux qui viennent en Indonésie, qui veulent manger la nourriture africaine, c'est bien. Hein? Moi, j'adore ça bien. Je m'en vais par moment, quoi. Je m'en souviens par moment. Donc voilà, si tu viens en Indonésie un jour, tu viens à Petamburan. À Petamburan. Voilà. C'est un secteur, il y a beaucoup d'Africains. Voilà. À Petamburan. Ouais, les Nigériens quand même, ils se battent, hein. Monsieur Roger, monsieur le Monfou. Didala? Oui, ça a bien pour qui l'ançon? Ça personne, tu n'as pas peur? Oui. Hein? Take away. Yeah, take away, yeah. Doit. For two persons, yeah. Personne n'a pas. Ah, personne, foufou. Dans sauce gombo, ça m'a. Égoussi là. Ça m'a souk, ça m'a souk. Ok, monsieur. Yep. Ça m'a souk. Donc, je vais à la Bandoun. Bandoun, c'est quoi ça? C'est ma couleur Bandoun. Je ne dis pas. African food. Yeah. Very navy. Hey, on t'arrête pas ici. Hey, voici l'une de mes voisines. Hein. Hey, pas comment? Bah oui. Voici l'une de mes voisines, très belle. Elle est très gentille, celle-ci là. Une femme responsable. Mais les blagues embrouillent son cerveau. Ah, vous n'allez pas d'ici. Vous n'allez pas. Ah, you come see your boyfriend. Ok, taxi, Macan. Take away, yeah. Take away. Sister, I'm looking for fufu. Job, fufu, yeah. Okay. Yeah. 150, my food. No, no. I buy 150. 150, no, mahal. Eh, c'est online, yeah. Jangan. Justru online, mibala. Tolong, tolong. Kasih lah. Hah? Kasih fufu sama. Voilà, voilà Lori. Voilà Lori. Ouais, shop, il est, on te prend quoi? On te prend le couscous ou bien quoi? Oui, allô. On te prend quoi? On vous prend quoi? On vous prend quoi? Il va prendre deux plats. Il prend le riz, oui. Je suis chez le Niger, chez la femme nigérienne là. Égoussi et pistache, c'est ça? Égoussi avec le okoro. On met pas le okoro dedans. Ok. Donc je vais prendre deux plats alors. Donc ça va avec le riz. Ou bien un plat. Ok. Le riz avec la sauce, c'est ça? Ou bien le riz sauté. Le riz sauté que tu connais là. Ok, ça mange. Tout à l'heure. Ok. Kasi. Couscous sama égoussi. Mais tu veux
Hein? Ah, ah, bif, bif là. Dan, you kasi ini riz sauté. Riz sauté ini. Riz sauté là, ini. Yeah. Nasi ini, yeah. Vous qui dites que les gens ne travaillent pas dehors, regardez-moi. Regardez, regardez comment ici là les gens emploient les Indonésiens dans leur pays. Hein? Yo chambou là, nasi ça m'a ikan dan, dan egusi ça m'a beef, right? Ouais, ok. Vous voyez, regardez vous-même comment c'est bien. En Indonésie, on mange bien, on mange bien. C'est un pays tropical, non? Un pays tropical. Donc voilà la propriétaire, voilà la propriétaire, voilà celle qui a le restaurant. Voilà, voilà celle qui a le restaurant. Voilà, vous qui êtes là, vous dites que vous, les gens vivent en Indonésie, non? Il y a aussi les produits africains, hein? Voilà l'huile rouge. Donc vous dites, vous, on a, ils sont milliers de kilomètres, bon, l'huile rouge, ça vient d'ici là. Voilà, c'est le pays de l'huile rouge, non? Et voilà, voilà. Voilà. Voilà l'igname. Voilà l'igname. Il y a des choses qui viennent de l'Afrique. Voilà. Donc voilà. Il y a le tapioca. Hein? Il y a le tapioca. Il y a le tapioca. Vous voyez, non? Voilà. Vous croyez que ici, là, c'est les extraterrestres qui vivent là. Ici, là, voilà. Et les Indos mangent aussi la nourriture là. Hein? Voilà, les Indos mangent la nourriture là. Il y a comme ça beaucoup de restaurants. Hein? Beaucoup de... Ici, on a le restaurant de Natacha. Normalement, il devait aller chez Natacha. C'est parce que Natacha ne vend pas aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi les snacks. On a face à face. On a le restaurant. On a le snack Obama, un Camerounais, qui a un grand truc. Le genre de grand truc là, il est ici là, on l'appelle Obama. On a le sénateur, il y a beaucoup de personnes face à face. On a chez Natacha, à l'époque on avait Rigolin, il emploie les Camerounais, les Indonésiens. C'est comme Obama, Obama au moins 30 Indonésiens. Hein. On a celui qui fait dans les voitures, on a ceux qui font dans les mines. Oui, chez Edgar, non? On l'appelle Obama, oui, bien sûr, chez Edgar. Donc voilà, voilà les Indos qui mangent la nourriture africaine. Voilà. Les Indos qui mangent la nourriture africaine. Oui, chez Edgar, bien sûr, chez Edgar. Chez Edgar. Voilà. Donc, c'est ça, on vit ici quand même. Hein. On vit. On ne vient pas ici, tu penses que non, je ne vais pas manger la nourriture africaine. Non, c'est un pays tropical. Tu vois un peu, voilà. Donc, c'est parce que Natacha a fermé. C'est chez elle qu'elle devait partir. Bon, je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle... Voilà qu'elle ne se sent pas bien. Voilà. Bon, ici, là, on a les filles qui vendent les mèches, là. On a une coiffeuse. Voilà. On a deux sœurs qui sont coiffeuses, ici, là. Qui ont les salons de coiffure. Voilà. Infinity. Infinity a le salon de coiffure, même chez les Papouas. Donc, elle a un salon de coiffure, ici, à Jakarta. Elle a un autre salon de coiffure chez les Papouas. À Jayapura, bien sûr. Les Camerounais travaillent là-bas. Elle emploie même les Camerounais qui vont en vacances au Cameroun. Comme le petit qui coiffe là, il était au Cameroun l'autre jour. Mais oui, il y a beaucoup de personnes. On a ceux qui font dans la location de voitures. On a beaucoup, hein. On ne croyait pas qu'il y a des Camerounais qui travaillent ici. Il y a des Camerounais qui ont des enfants ici, qui jouent mal à l'équipe nationale de leur pays, qui sont des basketteurs. Bon, Dan, you kasi for me, hein, Juga. You give me a egusi sama okoro. Mix. Yeah, mix, yeah. This, that's for me, right? Yeah, sama fufu. You give me beef, la, beef. Yeah, sure. Les gars vendent un peu de tout, quoi. Les gars vendent un peu de tout. Kasi bayan, yeah. C'est à Minta, I go to Garantina. I go to Garantina. C'est à Pergé de Garantina. Yeah. Yeah, yeah. Donc, so, Kassi, va y aller. Yo, Kassi, yeah. Il faut que mes gars, là, les gars, là, mangent bien. Voilà. Je veux bien les insulter là-bas. Voilà. Les effets de la boisson. Tu ne dors pas. Tu conduis, tu ne dors pas.
Parce que tu n'as pas cogné les gens, la maison des gens. Ça fait 6 mois qu'ils sont en prison. Ça fait 6 mois qu'ils sont en prison. Ouais. Comment tu es entré, hein? Là, ça m'en sert pas. Show me. Apple Live. Oh, yeah. Live. Live, my people. Ok, les gars, je vous laisse alors. Bye.